Moi j'en veux des... On est sur des Resident Evil 2 jeux. Et on va tenter de continuer et peut-être même de le terminer aujourd'hui. Je vais peut-être baisser un chouille. Pas un jeu de Dromieux Pixel. Et pour l'absence en ce moment, la santé n'est pas au beau fixe malheureusement. Oh, j'espère que c'est rien de grave, JM. Pas de soucis en tout cas, vraiment, vous savez pas vous excuser quand vous venez pas. Hein. Clairement pas. Hein. C'est par là! C'est pas vrai. Bon courage pour... bon courage en tout cas, petit JM, vraiment. Du coup, on était au troisième tableau. Le bon, la brute et la princesse, c'était vraiment un... Voilà, ça faisait penser à un vieux Zelda-like dans le style. Ça va être trop bien, ça me fait un peu penser à Evoland encore une fois. On est parti, on est à peine de lancer chapitre 3. Attention, vous allez perdre la progression du chapitre en cours. Êtes-vous sûr de vouloir, continuer? Quoi? Ah oui, du chapitre en cours, parce que oui. Hein? J'ai fait non. J'ai fait non. Ça me soulage entre guillemets. Ok, je comprends. Bah écoute, j'espère que ça va quand même aller pour toi. Si on peut te changer un peu les idées, c'est déjà ça. The Legend. Et là, vous m'entendez plus? Vous m'entendez plus? Si, vous m'entendez. J'ai touché ma boîte XLR. Attendez. Je fais ça parfois et je devrais pas et ça m'énerve. C'est bon. Vous entendez tout? Vous m'entendez moi? Oui, ça va. Elle est plus compliquée qu'est-ce que... Ah oui, non, j'avais fait une grosse voix. Start Burton? Oh non! Ma GoXLR est toute buggée! Oh non! Attendez. Je vais relancer le logiciel. Attendez. Ah, parce que des fois, juste, je touche à peine à la truc. Elle est d'une sensibilité, c'est ridicule. Allô? Est-ce que ça marche bien? Alors, oui, voilà, c'était bien. C'était ça la voix. Et je vais faire... Ici, petite voix, je vais la garder. Et là, je vais faire une grosse voix. Oh. What? Si je fais comme ça. Ah non, c'est affreux. Désolé, ça fait n'importe quoi. Non mais je vais arrêter. What the fuck? Je vais garder celle-là et puis on verra l'autre. Comment ça se fait? Si je mets juste ça et que je fais juste... Voilà. Voilà. Ouais, on va faire ça. Ok, c'est bon, j'arrête. Petite voix pour le prochain jeu. Ah bon? Ok. Vous avez pu interagir avec l'interface de ce jeu? Ça va probablement nous aider. Oh! Link! Listen! Hey, listen! This looks a lot like an RPG. Je ressens fortement à RPG. C'est justement ce genre de jeu que j'étais destiné à... J'ai pas le temps de dire. À animer avant d'être abandonné? À devenir avant d'être abandonné. Toujours ce qu'on fait dans ce jeu. Héros, réveillez-vous! Réveillez-vous! J'ai réveillé! Quel était ce bruit? Il faut lire! Il n'y a même pas doublé! Oh, pas toi non plus, mec! Cette voix, est-ce toi Gaïa, machin? Oui, c'est moi. Tu as une voix plutôt grave pour une déesse. Je suis un peu souffrante. Que se passe-t-il? La princesse est en danger! Enlevée par la femme Barklord et retenue prisonnière dans le temple dimensionnel! Dimensionnel? Utilisateur, c'est sûrement notre porte de sortie. Oui, Hiro, c'est bien ça. Allons la secourir.
Avant cela, je dois récupérer les 12 plumes secrètes dispersées aux quatre coins du monde. Et Oxyrui, gardien chatouilleux. Et retrouver les 50 fragments du soleil. Je propose qu'on aille directement au temple dimensionnel. C'est bon, là, sur place, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? La porte est verrouillée! Elle cherche une clé? Elle doit pas être bien loin. Shida n'a pas l'air d'être une flèche. Tous les personnages de vidéo sont-ils aussi stupides? Pourquoi vous me regardez? Ok, il y a une clé. Ah, il y a un coffre! Ah, avec la petite musique, trop cool! Qu'est-ce que vous avez fait? C'est le coffre de grand-père! Il était pourtant rangé au grenier. Bah voilà! Je l'ai peut-être à l'intérieur. Il faut pas une clé pour l'ouvrir? Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Le marteau de charpentier de grand-père! C'est bizarre, il a l'air cassé. Jigglypuff est passé par là, on dirait. C'est pas grave, c'est pas mon... J'ai pas eu le temps de lire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le marteau qui a bugué? En fait, lui qui réfléchit, les sprites qui frappent. J'ai rien compris. Ah oui, d'accord. J'arrive pas à frapper ça. Ah voilà, si, j'y arrive. Derrière la commode? Allez, prends-la. Espèce de couillon, va. J'arrive pas à l'atteindre. L'inverse m'aurait étonné. Qui a un petit coup de main? Je suis trop forte. Je l'ai. C'est pas trop tôt. Allez ouvrir la porte maintenant, héros. Rebelle. T'as rien que sortir de chez soi, c'est une épreuve, quoi. What now? Quoi encore? La ferme pas dans la serre, elle est trop grosse. Un peu possible. Allez, mène-toi maintenant. T'es ouvert. Perfect. Parfait. Nous allons pouvoir enfin continuer le jeu. La quête, je veux dire. Il est trop bien, jeu vidéo, mais complètement game designeuse dans le futur. Dans le futur des multiverses. L'accès au temple est bloqué par les buissons. Mais un qui traîne pour couper. L'épée de vie. Les gens du village racontent qu'elle serait dans la clairière magique à l'ouest. Les plaies de vie... Ouais, ça me paraît être une bonne idée. Attention. Attends, il est toupé. Non mais, ce connard, il est tombé tout seul. Qu'est-ce qu'il... T'avais pas vu le trou? Non, je vois pas. Faut que je fasse plus attention. Il va refaire la même. Putain, j'ai pas le temps! What? Mais... J'ai dépassé! Le trou! Il y a un trou sur le chemin et vous tombez dedans! Cette fois-ci, je me ferai pas avoir! Fouille derrière la cam, ah oui. La cam. Voilà, je me mets comme ça. Vous devrez le voir. Bon, vous le voyez mal. Voilà. Attendez, j'ai le temps de rien faire là. J'ai le temps de rien voir. Stop! Allez, pas encore tomber dans le trou. Mais quel trou? Ne bougez pas tant qu'on n'a pas trouvé une solution, c'est tout. Bon, va falloir recouvrir le trou. Avec quoi? Ok. Avec quoi je peux interagir? Ah, c'est une vraie pause.
Ah pardon, reprends. Alors. On avait une planche de bois sous la main, on pourrait faire un pont. Tout à fait. Un petit soleil. Petit tas. Voilà. Oh, c'est malin. C'est ce qui m'inspire à être une planche, moi. Sauvegarde là. On peut être de l'autre côté de cette étendue d'eau. Les gens du village racontent qu'au fond du lac se trouve un palais englouti. Mais comme je ne sais pas nager, je ne pourrai jamais vers le pied. Il va falloir sûrement débloquer la compétence amphibie, hein. Ah oui, mais respirer sous l'eau, ce serait pas mieux. Je suis sûr qu'il n'y a aucun point en intel, celui-ci. Je vais monter le temple englouti. Ah bah non, c'est un coffre. Ah, je peux rien saisir. Ah, je peux pas le prendre. Ok. Comment je peux faire bouger Jennifer? Comme ça. Oh, j'ai pas le temps. Voilà. Un coffre, mais d'où il sort? On dirait le coffre royal du palais englouti. Vraiment, c'est ce que j'appelle rusher un donjon. Speedrun, ma gueule. Mais nanana! Le monocle du roi des abysses! Il a l'air aussi cassé. Il n'y a pas de chance. J'espère que l'épée de vie n'aura pas de problème. Porter un monocle sous l'eau, n'importe quoi. Nous avons un second objet bugué. Oui, il fait quoi celui-ci? Il grossit. Le monocle grossit sprite, et contrairement au marteau qui rétrécit, très intéressant. J'ai vu Alice au pays des merveilles. Nos outils vont être très utiles pour interagir avec ce monde. Ils vont vous permettre de semer le chaos comme d'habitude. Ça va, j'ai tout réparé. Comment on s'en va? Trop cool! Ok. Pour faire des trucs avec ça. Par contre, il peut pas repartir parce que c'est bon. Ah non, faut qu'on traverse. Ah bah oui, fallait qu'on traverse. Ah. Ok. Comme si tu foutais la merde depuis le début, il exagère. Je suis d'accord que je suis un petit peu... Je trouve ça un petit peu dégueulasse de dire ça sur moi-même. Ça m'énerve ce bruit par contre. Mais je sais que je peux faire un truc avec, j'ai juste pas la... J'ai pas encore. Une petite plume pour flotter sur l'eau. Ah, est-ce que je peux le grossir le coffre? Il faut du coffre à couler, Jennifer. Isatra, vous êtes plus doué que je ne le pensais. Quoi? Il a dit quoi? Vous êtes plus doué que je ne le pensais? Nous avons tous que vous n'aviez pas fait exprès. J'étais pas sûr que ça ferait ça. Ah, il bouge pas? Ah non, si, voilà. Ah, il faut le grossir du coup. Good. Now we're making progress. Careful not to move too much, hero. You might fall in. And I will know who
avance. Let's go. Ouais, l'épée. La légende d'épée de vie, je sais pas quoi. Ah putain, pas j'ai d'Excalibur. Et magnifique, j'espère en être digne. T'as que 3 trucs, c'est nul. Je sens que je vais devoir t'aider, gamin. Je sens que je vais devoir l'aider. Et quand j'ai... Mais c'est pas vrai. Forcez donc. There must be some muscle underneath those pixels. Merde. Je dois le grandir, voilà. Wouldn't happen to have a kind of spinach, would you? On n'est pas mangé, il ne manque pas sur rien. We should give you... Yes, keep it up. I wasn't talking to you. Ah, il l'a cassé. Il l'a cassé. Unbelievable. C'est pas possible. Mais ça veut dire, gagnant. Vous êtes l'héros le plus incompétent de l'univers vidéoludique. Probablement. Mais également que c'est pas l'épée de vie. Jamais pouvoir sauver la princesse des griffes du Dark Lord. Tout ça à cause de quelques buissons. L'épée n'est pas l'épée de vie. Peut-être bien se trouver. Gaïa, aide-moi, je t'en supplie. Portez-moi du réconfort, de la force, du courage. Oui, une cisaille, des buissons. Avec ça, on peut pas se démerder. What are we gonna do with this broken sword? Could we use it as a tool? Bah oui. Partons. Ah oui, c'est vrai. Machin a complètement écrasé le bout de l'épée. On pourra un couper avec ça. Mais je fais ce que je peux. Ah, c'était pas nécessaire. Qu'est-ce que je peux faire avec ça maintenant? On peut pas retourner sur les autres maps? J'ai besoin. J'ai besoin, machin. Au pire, je te mets tout petit, tu pars centrer des buissons. Oh, mais l'épée! J'avais pas vu, tiens. Elle est là, l'épée. You've broken another interface, user. J'ai décroché un nouvel interface. L'interface qui a étrangement la forme d'une épée. Sword? Could it be the sword of life? Ce serait donc l'épée de vie. Elle a pas de manche, l'épée de vie, ça va être super chiant. Merci au Gaïa pour le cadeau des dieux. Merci pour cette... Pour ce... Je... Qu'est-ce que c'est? C'est la légendaire épée de vie, voilà. Vraiment? C'est vrai qu'elle vient d'une galaxie très très lointaine. Not that far away, believe me. Si lointaine que ça, croyez-moi. Je vais l'essayer. Ouais! Elle fonctionne! Allons couper ces buissons démoniaques qui nous barrent la route. Non mais quel connard! I don't believe it. Bon allez, on vient au spawn, c'est plus facile. C'est pas possible autrement. Je l'ai effectivement fait exprès pour gagner du temps. Pas mal, hein? Mais je savais. J'ai compris, mais je viens de dire pour laisser l'Orx réussir toute seule et avoir toute la gloire. J'ai déjà terminé, mec. Ah. Le chemin vers le temple dimensionnel est enfin dégagé. Tout ce chemin pour couper deux buissons. Deux buissons! T'as des gardes de la femme, Dark Lord! Pour ce ne pas sinistre. Faut mettre de la campère. Ah, c'est compliqué! Quelle originalité! Bon, voyons voir un peu ce que donne cette épée. Il tape là.
fight ever. They're not even doing any damage. Allez là, je veux faire bouger ça. Je peux pas. Pardon, je m'étais assoupi. J'arrive pas à faire descendre ça, ça m'emmerde. Faut que je fasse descendre pour que ça passe. Ah non, c'est pas tout de suite. Bon. Donc ça, plus ça, ça fonctionne pas. C'est trop long. Je sais, et puis le bruit m'énerve beaucoup. Un dans l'inventaire qui pourrait nous aider. Mais ça m'aide pas, hein. Là, il y a un dans l'inventaire qui peut m'aider, là. Le bruit est insupportable! Je vais descendre un peu le son juste pour ce. Juste pour ça. Hein. Pas une grosse différence, mais voilà. D'accord. Il faut que je la fasse plus petite. Et ouais, c'est cassé, mais du coup, ça, je peux pas prendre quand même. Faut qu'il le refasse encore, faut qu'il redevienne tout grand. Ah, c'est pas fini. C'est tombé. IPM, c'est pas le moment de faire les chatouilles. Mais si. Qu'on veut boxy, wesh. C'est quoi ce bruit? J'ai dû rêver. Ok, maintenant je fais petit. Lui je fais grand. Ça ne change rien. Je pensais qu'il reculerait sur le nénuphar. Si c'est bon, putain. Je suis coincé. Est ridicule. J'ai un combat à terminer. Quelle est cette magie? Nénuphar est à deux doigts de couler. Non, mais j'arrive pas à le faire couler, Nénuphar. Ah, faut que je fasse ça. Voilà. C'est bon. Voilà ce qui arrive, c'est qui affronte le héros de l'épée légendaire. Bien joué, Utilise Hero. Non, reste plus qu'à franchir le nénuphar. Il va franchir que si j'ai fait ça. Parce qu'il fait pas de saut. Tout saute, c'est bien. Voilà devant l'entrée du temple dimensionnel. C'est pas ton tour. C'est ici qui est retenue prisonnière, la princesse. Mais le passage ne s'ouvrira que lorsque j'aurai récupéré les 12 plumes sacrées. Ainsi que les 50 fragments du... Oubliez les trucs, ringard. Regardez, il y a une bombe là-bas. Ça va dégager l'entrée avec beaucoup de finesse. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Faites-moi confiance. Je
Ça pique un peu. Effectivement, votre nombre de points de vie diminue. Il va falloir faire attention. Oh, j'ai pas 10 points. J'ai pas 10 points incendie. Je deviens de plus en plus puissant. Ça saute aux yeux. Ah. Ah là, j'ai fait n'importe quoi là. Non mais j'ai pas le temps. Oh là là, j'ai trop pas le temps. Remords Fufu. Faut que je diminue les petits tonneaux et que je diminue la bombe aussi. Let's go. Ah oui, j'ai tout ça comme étape à faire. Ah, vous voyez pas? C'est à moi, on voit. Je diminue juste parce que pourquoi pas. Ah mince, fallait que je l'agrandisse avant la fin. J'ai à peine effleuré la roche. L'explosion n'était clairement pas suffisante. Pour mettre le paquet. On y retourne, allez. Oui, oui, oui. Non, merde, ah, merde. Et ben voilà, Michael Bella qui a bien se tenir. Il y a référence. C'est un peintre. Temple dimensionnel. Princesse. Pas de princesse en vue, ni de vortex dimensionnel. Va falloir progresser dans ce temple. Mais bien, mais la porte est fermée. À mon avis, ces interrupteurs sont pas là pour décorer. Interrupteur? Mais oui, cet interrupteur doit sûrement ouvrir la porte. Un te passe, c'est bizarre. Héros. C'est attendre que le mécanisme stationne. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de rester là. Et si nous sortions lentement du donjon? Très lentement. Voyons Gaïa, nous avons une quête noble à accomplir. Je suis sûr que cette porte va finir par s'ouvrir. Merde. Votre utilisateur, vous empirez la situation! Ça ne tient un bruit! Ça doit être le mécanisme. Y'en a un qui va tomber dessus, hein! Quel calme! T'as décidé de saboter l'aventure, n'est-ce pas? C'est ça que je voulais. Ah, lui, il doit dégager. Voilà. Ah non! Quel couillon, celui-ci. Bon. Ok. Voilà, c'est bon. GG, merci! J'ai réussi à ouvrir la porte! Je faisais d'être patient. Y'avait un remarqué dans la salle? Ah oui, il y avait un interrupteur. Sûrement un piège. J'aime trop les héros, j'aime trop! Nous nous rapprochons de la princesse! Sonne en vous tombant parfum. Oh! Salut, Annie! T'étais allé plonger dans l'obscurité, j'ai peur du noir. Oh. Un grand gars comme vous, juste des peintures mensonges, on y va un peu quand même. Il y a une porte de buzz verrouillée, un interrupteur, on t'oppose. Ah non. Ah non, celui-là c'est le mien.
I will light the way for you. User, can you light the way for him? Oui, bah je le fais, je le fais. We will need to find a light source. Ça marche pas? J'y croyais trop. Ah! Whose idea was it to put a fire pit on a lily pad? Probably a level design hero. You did it! Vous avez réussi! Vous êtes un vrai petit Robinson Crusoe et utilisateur. J'avoue, j'avoue! Heureusement, la salle ne semble pas plus éclairée. Comment puis-je faire? Bah, je vais agrandir. Merci, Gaïa! Ah, quoi? Oh, comme c'est malin, utilisateur. J'ai peur! On y arrive, on progresse. Quelque chose est passé dans la salle à côté. On va plus vite. Y'a plus de lumière, aide-moi, Gaïa. J'ai peur. Tu me saoules. Voilà. Tout ça allumé. Mais ok. Ressemble à un puzzle. Tellement surfait. Génial, j'adore les interrupteurs. What enthusiasm. Il fait n'importe quoi. What is he doing? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, if it makes him happy. Ah, we just figured out how to activate those old switches. Well, that wasn't the right combination. Non, mais pas. 1, 3, 4, 2, j'imagine. Ah, mais c'est pas possible. Alors. Merde. Je me disais que ça allait aider, mais vu que c'est dans un autre ordre, ça va pas m'aider. Ça m'aide pas, c'est en biais. Il me confie, il a bougé. Non, celui-là, il va pas m'aider, hein. J'ai tenté. Ah ouais, c'est plutôt ça. Donc c'est avec le marteau alors. Oui, sauf que je vois des symboles. Ça m'aide pas les symboles. Ça m'aide zéro. Je vois des symboles, ça n'a aucun intérêt pour moi. Ah non. Je sais pas à quoi c'est censé me servir ces symboles. Ouais, je vais regarder le flanc. Ouais, c'est pas con ça. Ah bah oui, voilà. J'ai oublié.
Ça d'abord. Oh mince, il y a un tour complet. Ensuite, c'est ça. M'énerve. We've got it! J'ai réussi. C'est grâce à ma technique spéciale d'insistance. D'assistance quoi, rotative? Si vous voulez utiliser maintenant votre technique spéciale pour le ramassage d'objets. La clé du boss! Une grosse clé brillante. Ça doit être la clé du boss. GG! C'est un travail d'équipe, Grisou. Toi et moi. On va la repasser dans cette salle sombre encore. Non, pas ça, c'est bon. GG, merci! Faites diffuser une lumière protectrice! Effectivement, ça nous arrange. Ça nous arrange tous. Ah mince, faut que je fasse une grosse voix. Quelqu'un est venu sauver la princesse. T'as vu le boss final du jeu? Maintenant, t'as quelque chose de plus imposant. J'entends une voix, quel est donc ce bruit qui t'accompagne? Il s'agit de Gaïa, abominable Dark Lord. Gaïa? C'est impossible. Gaïa est russe? C'est fini, héros, écrasez-le! Dark Lord. Oh! Ah bah d'accord. Ah. You're fast when you're motivated. That would have come in handy with the bomb earlier. Voilà. Mais j'ai rien dû faire s'il fait que ça. How much longer is he going to run around in circles? He's never gonna finish the game at this rate. User, find a way to stop this projectile. Oui, bah je fais ce type de projectile. Ah. Oh merde. On tient un brûle. Des os. Je me suis trompé un peu. Non, je me suis trompé. Non, mais t'es couillon, toi. Ok. On avance. Mais attention. Oh merde. Comment je suis censé faire? Merde! Je vois pas comment éviter les... Ah si, faut que je le fasse sauter avec le truc, mais oui, bien sûr. Hello Grid. Avec tout ça. Que vous soyez terrible. Eh, franchement, ça va. Hein. Je me défends. Faut que je le fasse sauter au bon moment. Non mais il faut que je te refasse passer là. Je me fais mes muscles. Oh, tu me gonfles. Let's go. Shut up. Fight. Combattez. Mince, je me suis trompé. C'est officiel, c'est Lox la meilleure.
Oh, ça, on le savait. Merci! Merci beaucoup! Let's go. Watch out. The boss is stunned. Hero, hit him now. Yes, that's doing a lot of damage. Spikes, watch out. The boss is stunned. Hero, hit him now. J'ai trop aidé mon héros. Et mon héros. Et mon héroïne aussi. La destinée est accomplie. Un homme libéré la princesse. Ah oui, non, c'est vrai que c'est un garçon, forcément. Il se fait la princesse, alors il y a un garçon qui se fait la princesse. Oh ! Princesse, nous voilà libre. Oh, merci, courageux sauveur. Moi, ça marche pas. Je ne connais pas et pourtant. Je sens déjà se créer en moi un attachement profond à votre gars. Princesse. Ouais, inconnu. Bisou, 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 bisou. Tu fais trembler l'écran. Merci beaucoup. Look, user, the exit. It appeared because of their... Regardez la sortie. C'est apparu avec... Oh. C'est beau, n'est-ce pas? N'avez-vous donc pas... N'avez-vous point de princesse à secourir, vous aussi? Not anymore. Mais maintenant... Oh mince! Maintenant... J'ai connu ce que l'on peut dire une princesse. Elle s'appelait Gigi. Elle et moi, nous amusions tellement. Malheureusement, du jour au lendemain, elle avait disparu. En code source. Sûrement à cause de mon fichu créateur! Depuis ce jour, rien ne tourne rond chez moi. Sans elle, mon existence en tant que programme de jeu n'a plus de sens. Comprenez maintenant, utilisateur, pourquoi j'essayais de vous chasser. Je ne suis plus qu'une coquille vide. Un non-jeu. J'ai une idée. Laisse-moi te voir le contenu de ce coffre légendaire. Et là, pourra peut-être t'aider à la retrouver. Oh, I doubt it. Oh, j'en doute. Regarde, Gaïa. Mais qu'est-ce que c'est encore? Hands off, I'm not your loot. Ne me touche pas. Je cherchais la sortie dans tous ces fichus coffres. Et ben la voilà, finalement. Monsieur Gates, je lâche ma grappe une fois pour toutes. Vous voulez juste rentrer chez nous. Eh ben, c'est pas facile. Comment t'empêcher de me suivre, voyons voir. Où va-t-il? Ah non, il va casser, il break the game. Non, princesse. Voilà, tu devras en avoir pour un moment. Qu'est-ce que t'as fait? Deux, trois petits changements de game design. Les enfants vont adorer. Je vous laisse maintenant. Je dois réaliser mon plan machiavélique. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai déjà expliqué le plan qui va me permettre. Le monde entier. Qu'est-ce que t'as changé dans le jeu? Tu seras bien assez tôt. Mec, qu'as-tu changé dans le jeu? Injouabilité, arnaque, réglage foireux. Super. Like
Direct le jeu que je vais redémarrer. Qu'est-ce qu'il a fait ? En collaboration avec TrashMyGame.net. Legend of the Secret. Tu vas cliquer en VIP édition Deluxe. 4.2. Gratuit. Et transformer les gens en free to play! On va tous mourir! Ah! Désolé, je me suis un peu emporté. Putain, c'est comme si Diablo sortait, le dernier Diablo de chez Blizzard que tout le monde attendait sortait en free to play sur portable, genre n'importe quoi quoi. Essayons de quitter cette dimension. On sait jamais, ça pourrait être contagieux. Et bah, moi je commence, je suis à fond! Dans le free-to-play, là. Liez votre compte. Allez, on lit notre compte. Autorisez l'application à accéder à vos photos, vos documents, vos comptes bancaires, ainsi qu'à votre séquençage ADN. Avec plaisir. Ça y est, est-ce qu'on peut jouer ? Acceptez les conditions générales. Article 1. L'utilisation des services utilisateurs engage à respecter l'ensemble des règles fixées par les présidents. Vraiment ? Article 5023. Prix. L'accès du jeu est entièrement gratuit, l'utilisateur peut éventuellement effectuer quelques achats en jeu pour faciliter sa progression, mais cela n'est absolument pas obligatoire, le jeu ayant été en amont parfaitement réglé pour une utilisation fun et fluide dès les premières minutes. LOL. Ça pourrait être Mister MV qui écrit ça, non, en vrai. C'est pas l'idée de Diablo Immortal. C'est le principe du sous-entendu, Vendis. C'est mieux quand on le capte, bien sûr. Tout à fait. Bref. J'ai mythiquement un contrat, je signe de mon sang. Non mais oui, ça pourrait vraiment être un truc que Mister MV écrirait. Là, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Là, il est en train de commenter une convention. Il dit exactement des trucs comme ça. Je trouve ça fantastique. Éveil, 150 points. La pièce a changé, non ? On va te perdre. On va réveiller notre ami. Allons sauver la princesse rapidement. Je vous reviendrai. Il faut payer maintenant. J'ai juste réussi à faire un gigoté de vie. J'avais pourtant réussi à réveiller la première fois, non? Pourquoi les gigotes comme ça? Je vais vous donner des pièces de monnaie. C'est vrai, c'est devenu un free-to-play. Si on va avoir moyen d'utiliser cette monnaie, mais comment? Je suis passé. Voilà. Amos, il est enfin réveillé. Ouais, c'est qu'il y a un processus de genre dimensionnel, tout ça. Allez, on bouge les petites fesses, go. On est d'accord. Même si j'aurais aimé d'abord prendre mon petit déjeuner à base de céréales crunchy. Des céréales croustillantes et fondantes en même temps. Quoi? T'as le temps pour ça, en route pour l'aventure, Réo, et vite. Tu as raison, dépêchons-nous. Vitesse, je suis au maximum. Oh, free to play. Oh, free to play. On a un peu pressé, en fait. Didn't you have more furniture back then? Il n'y a pas plus de meubles? Il y avait une très jolie meuble dans le catalogue, mais ils étaient un peu chers. Well, at this rate, we will still be here in 10 years. Encore là, dans 10 ans. Encore là dans 10 ans. Qu'est-ce qu'il avait peur des chaussures de la boutique, André? Boutique, quelle boutique? Ah, c'est un clicker en plus. Là, j'ai arrêté Pokémon Go pour plus avoir mal à la main là. Enfin, Pokémon Clicker. Ah, j'ai débloqué la boutique pour 40. Il me faut 300!
Le prix de vos chaussures est plutôt salé. Non mais c'est le dernier modèle de Rafafi, on est au point d'un RE. On se refuse rien. Qui a besoin d'argent, Gaïa? Je peux trouver des pièces. Il y en a un peu partout. Ah, Nirva, alors. Allez. Okay. Are they your size? Et votre pointure? Elles sont magnifiques. Nous perdons plus de soins en sortant d'ici. On a du boulot. J'ai raconté comme j'ai pu, hein. You don't need a key. Contre 17, il va plus vite. What now? DLC recasse sa pièce. Faut payer pour la suite, mais on vient à peine de commencer. En plus, j'ai pas donné. Bon. Ah. Ah, c'est mal au bras. Ça y est, comme le Poké-Clicker. Putain, c'est affreux, quoi. Voilà, la voie est à nouveau libre. J'ai plus de pièces quand je sors. Oh non. Bon, j'en avais plus en vrai, mais sérieux, c'est affreux. Contre Everland, quitte des démarrages. Ah, oh pardon, du... J'ai vite changé. Voilà, il est plus endu. Que vous arrive-t-il? Me fatigue très vite dès que je me déplace hors de chez moi. J'ai vu ça, votre barre de vie a diminué d'un coup. J'ai besoin de ton aide, Gaïa. Donne-moi de l'énergie. Mais crois pas. Merci, Gaïa. Mais c'est la dernière sautée de secondes. Si j'avais mangé des céréales crunchy crunch, j'aurais tenu plus longtemps. Tu connais? Ah, tu connais? J'ai entendu parler, mais... on va en trouver. Oh, faut que j'achète des... putain. Il faut ces céréales crunchy crunch. Allez, prends tes céréales, là, on se barre. Je vais donner de l'énergie, laisse-moi faire. Merci, Lit. Franchement, ça fait pas grand chose, hein. Les yeux, comme toujours. Me faudrait. L'épée de vie, on sait. J'agis d'une épée sacrée forgée par un peuple tradition des nains céréaliers. Et pour le nordique. On s'en fiche! Il fallait chercher dans le verre. Mon chemin semble obstrué par des tas de terre. Du coup, ça. J'ai trouvé une solution. Je vais fouiller les alentours. Faut se débarrasser de ce tas de terre. Oui, je peux faire quoi? Hein? Loot box! J'ai trouvé un coffret! Non, ce coffret ne m'inspire pas du tout confiance. Je veux qu'il est rempli de formidables trésors. On peut gagner 1 million de pièces! J'assure quoi vous laissez tomber. Alors ça? Quoi cette triche? La flèche a bougé toute seule! On te voit, j'y suis pour rien. Allez! Oui, voilà, c'est derrière moi le tas de terre, désolé. Bravo, utilisateur! A little too much even. If you could fill in the hole you just made. Ah oui, il va trébucher. Non. Ah, ça va. D'accord. Je peux rien faire là. Oh là là!
Il va retrouver une lootbox. Non. Merde, mais s'il trouve pas de lootbox, comment je fais? J'ai pas 30 interfaces. Oh, j'ai... Ah, voilà. J'ai encore triché, vous avez vu? Tout le coup, c'est impossible de tomber sur le million. Petit malin. Faut que je fasse un truc avec cette putain de pub. Bon. Ah! Je me mets avec un Tator! Pour avancer, venez héros, le voyez libre! Eh ben, attends, attends! C'est terrible! Oh, mais oui, je perds toutes mes pièces, qu'est-ce que je me fais chier à tout récolter aussi, moi? Ah, je peux pas aller là, je peux pas aller là, mais c'est un enfer! Il faut des travaux, au moins pour un parking. Ok, mais on peut déjà faire un pont, car je ne sais pas nager. Un peu nénuphar. Il n'y avait pas une bouée dans la boutique. Quel boutique? Laissez tomber, fouillez les environs. Je peux le faire. En utilisateur, j'ai aucune idée de comment on va pouvoir franchir cette voie. Il y a rien à pouvoir acheter dans cet écran. Ah. Minecraft. Jeu Minecraft. Minecraft. Un petit jeu anti-voix à l'échec. Ah, c'est trop mignon. Eggman, il préchote les vannes. Ah oui, c'est ça que je fais, d'accord. J'avoue, j'ai mis du temps à comprendre. Non, non, pas là, là. Et je peux pas la tourner? Ça va pas être bon. Ah non, juste comme ça, tout simplement, enfin... Enfin, Lox, C'est une pioche! Exactement ce qu'il nous fallait pour franchir. Pour franchir cette... une pioche. Écoute, moi je prends. On a plus rien à faire sur cet écran. Allez, je la ferme. Elle est immense. Super. Super. Oh, super. Oh, c'est chaud. D'ailleurs, je sais qu'il n'était pas très bavard, mais il y a d'autres moyens de grossir la glace, vous savez, n'est-ce pas, monsieur? Je peux prendre les glaçons? Ah, voilà. Quel était ce bruit? La viande de gelée. Essayez donc de passer dessus. Tu es incroyable, Caïn. Tu contrôles même les saisons. Je ferme les pièces. Ça me déprime. L'épée n'est pas là? Triple lame, lame vintage, lame spirale, lame serpent. Je vais pas pouvoir choisir. Je pense qu'il faut payer. Je me demande à quoi sert cette arme légendaire. Lame vintage.
Oh. Lame spirale, fais voir. Oh. Lame serpent. On va prendre la lame spirale. C'est super useless. Une originalité. Mais pas très pratique pour le combat. Je vais essayer. Les puces sont brisées. Ah putain, le décor est taillé ou... au plus faisable ou quoi ? De quoi ? Bon bah tiens. Elle est plutôt school. Vintage, ça va revenir à la mode. C'est fou comme elle est déjà. Ouais, elle se casse tout de suite. Oh, 9,99$ ! Le prix est en dollars ! Faut l'acheter avec du vrai argent ! Du vrai monde ! Mon premier utilisateur, j'ai pas de compétise. Encore moins de monnaie sur moi ! C'était codé sans poche. Je pense pas pouvoir trouver de dollars autour de moi. Mais comment je fais ? Ah bah ça, c'est un dollar ça ! Je vais les combiner les épées. Je peux pas. C'est si malin, putain. Avoue, c'était malin. Ça, c'est pas ça à faire. La pose elle est à 40 pièces. Alors. Bonjour, etc. Hashtag Albatros, ça va être abouti. Comment je peux faire ça? Ah, faut peut-être que je vais mettre là. Non! Quelle forme harmonieuse! Mais j'ai en plastique, non? Je vais l'essayer. Non, mais c'est pas ça que je voulais en fait. Je vais la mettre sur le socle. Comment je pourrais la combiner? Je trouve ça tellement logique! Ça va doucement, j'ai eu le garage, mais j'ai plus de voiture. Je suis en bonne santé. T'as eu un souci de voiture? J'espère que ça va. T'as eu un accident? Ouais, tu me dis que je suis en bonne santé, alors c'est que ça va, mais bon. C'est un peu flippant, quoi. Comment je peux combiner ces pièces, là? Ça m'énerve! Faire 99$. Continue à récolter, hein. Bon, j'ai tenté le trident, il l'a jamais tenté. Incroyable, 3 CP pour le prix d'une. C'est écrit. Made in. Arrive pas à lire la suite. Merci. Et oui. Encore cassé. Ah, 99$. Comment je l'ai fait, ça? On n'a pas de pub pour nous aider. Incroyable de dire ça. Elle a déjà 257 000 km. Ah! Ah oui, d'accord, je comprends. Oui, ok. Ok, ok. Tiens, prends ça en vrai. Non? Je vais encore acheter ça. Je vais voir si je peux faire quelque chose avec ça, hein.
Ça m'énerve, je ne sais pas comment faire. En plus, pendant tout ce moment-là, voilà, là, je peux rien faire. Comme ça, ils ont pas de pubs, c'est honteux. Mais oui, depuis tout à l'heure, on a des pubs, là, on en a plus, là. Ça m'aide pas, moi, ça. Ah, faut peut-être que je le fatigue. Comme ça, je pourrais, ici, combiner les... Je vais tenter de le fatiguer. Allez, mine-toi. Ah, je peux rien faire d'autre. Oh, je suis obligée de ravitailler. Ouais, mais je peux rien faire avec tes épées, Grisou. En fait, j'arrive pas à les bouger. Je peux... Parce que voilà, ce que je me disais aussi, que ça faisait comme un... Enfin, en fait, tout inversé. Enfin, tout, voilà, si on combine tout, on peut faire un truc, mais... Je peux pas les combiner. Mineur, 29. Et l'autre, il sautait bien. Hein. Il m'aide pas du tout. Hein. Je peux même pas les inverser de place pour tenter de faire un truc. Ah là, j'avoue que je coince un peu. La pioche, bon bah j'ai pas compris qu'elle va pas beaucoup me servir. On va chercher une voiture pour aller au boulot. Heureusement, je suis en arrêt. Oui, tu m'as dit que t'étais en arrêt. J'espère que tu profites quand même. Oui, ça va, bah oui. Je teste un petit jeu que... qui est rapide, beau faire. Et je m'en sortais bien, mais là, j'avoue que... Là, j'avoue que j'ai une petite hésitation. Parce que j'ai très très peu d'interactions possibles, en fait. À part avec lui, là. Là, je peux vraiment rien faire. Ouais, y a rien là, hein. On est d'accord, j'ai déjà testé 1000 trucs. Il faut que je spam pour avoir plein de pièces. Ça m'étonnerait quand même. Je peux pas la voler l'épée dans mon sac. Les combiner et dès que j'essaye de les mettre là, en fait, lui le prend. Ouais. Voilà. J'ai tout débloqué. Je peux inverser, je peux bouger. Il me parle pas du tout du tout. Il me laisse en galère. C'est la vraie pause. J'ai pas demandé de l'aide quand même. Tu m'énerves, gamin. Je vais voir avec quoi je peux interagir. Hmm.
On est d'accord que combiner deux épées pour faire un dollar, la bonne idée. Bah oui, oui. Mais bon, je peux tellement rien faire avec. Et si je mets là pour combiner, bah il les prend. Elden, ça marche, Bloody Rab. Peut-être acheter que ces deux-là. Enfin, le dollar. En plus, le dollar, il est en doré. Du coup, bon, non, mais c'est clair que c'est ça. Mais c'est juste que j'arrive pas à trouver le moyen. C'est juste que je bouge pas. J'ai pas l'impression que ça marche. Je tente un petit peu des trucs méta là. Parce que quand il est dans la main, je peux pas rajouter un truc en plus. Oh putain! Ouais. Là c'est de l'aléatoire parce que vraiment j'avais aucun moyen de savoir que ça pouvait faire ça. Aucun. Là c'était vraiment de la luck, quoi. Oh bordel. Prenez-la. Elle est bien plus lourde que les autres. J'espère vu le prix. Je vais pas l'essayer. Ça fonctionne. Là pour le coup vraiment ce genre de truc qui fonctionne que parce que t'as tout tenté quoi. Je vais remettre mon petit gilet moi. Il tombait dans l'eau ce connard. Il refait le même coup. Mais oui mais il fait exprès. C'est le même coup. Quoi? Non, il y a l'écran de titre. On a épuisé toute nos vies. Alors Max, ça fait tout plein. 3 diamants pour continuer ? La fois spéciale, 10 diamants. Ouais, t'inquiète. Je connais Minecraft. Je connais, c'est Minecraft. Moi j'y vais à Minecraft. Moi j'ai la référence. Faut aller couche 11. Legend for the secret. Allez, commencez. Moi, j'y connais. Voilà enfin debout, héros. Gagne cette voix. Gagnant, c'est toi. Il va falloir tout refaire depuis le début. Mais non, je plaisante. Gna gna gna. Maintenant que j'ai une épée de vie, allons libérer une apprentissage. On n'est pas ici pour s'amuser. Contre verdoyante qui te démarre, hein. Ah rien. T'as trouvé une loot box? Même pas. Au revoir, vers le temple est enfin ouvert.
Qu'est-ce que j'ai trop vite, JPP? Oh bah là, juste avant, j'ai bloqué, ça va. Un des gardes de la femme, Dark Lord. Oh, Claire. Je ne te laisserai personne interférer avec mes plans. Sauf si, bien sûr, vous êtes membre pionnier. Mais vous ne l'êtes pas, moi. Je vais faire une seule bouchée grâce à des pensionnaires avec 9,99$. Bon. Oh, trop chiant. Ok. That sword still doesn't do anything to him. This legendary stuff is really useless. C'est rigolo. Ah, le pauvre petit chou. Ça va, héros? J'ai mis un sacré coup. Ça va, j'ai point de rien. Ok. Bon. Il me faut de la... des sous, alors. Ok, on va rabaisser. Et on va essayer de refaire pareil au bon moment. Ah mince, c'est ça que j'ai dû faire. Il n'y a pas l'air de retomber. On y aura. Je perds ma moula à chaque fois. Ah, oh, faut que j'achète la bombe. On va aller enfin arriver devant la temple dimensionnelle. Attendez, la porte est grande ouverte. C'est peut-être un piège mortel. Probablement. Allez-y, entrez, je vous regarde. Non mais la bombe. Ah. Je savais, ça semblait trop simple. Combien faut-il cette fois-ci? Combien? 1 million de pièces? Ça va être un peu long. Un peu long. On va voir s'il trouve des thunes. Ok. Oh, y'a Paper, please! Please, Paper. Ah, papier! Genre papier toilette! Ah, je peux pas. Dommage. J'ai voulu tenter un truc, mais peut-être que je trouve l'autre et qu'il me donne un papier et le papier je lui donnerai. Je sens bien un truc comme ça, moi. Faut que j'attende qu'il trouve une loot box. Non, encore! Faut que je trouve l'autre. Faut que je regarde l'autre. Ça, c'est du papier, ça. Rap paper! Good thing I'm not a musical game. Can you imagine me singing? Ça va pas m'aider, ça. Take your body to move. Station 5.
ça c'est un paper, mais faut que j'en fasse quelque chose. Du PQ s'il vous plaît, tout à fait. PQ please. Est-ce que si ça explose pile au moment où il va tomber, ça marche? C'est ça que je veux voir. Non. Faut que j'ai un meilleur timing. Mauvais timing. Voilà. J'ai du paper. Allez, trouve des loot box. GG, merci. Merci, c'est cute. Thanks for the gift. Merci du cadeau. On va quoi en faire? Genre ça. Ah, j'ai tenté. Oh, tu m'emmerdes, toi. Je le combine, là, de manière chelou. Dessin de Kevin qui finit dans les toilettes, oui. Mince, j'ai pas pris les loot box du coup. Peut-être que j'en aurai d'autres maintenant, des loot box, mais je pense pas. On va voir. Donc je vois sur la pub du dessin s'il n'y a pas une nouvelle interaction possible. Hein. On n'a plus grand chose de possible, là, j'ai l'impression. Il n'y a même plus de pub. Apparat de paper. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Gamin, tu veux pas ça? Non. Tout à l'heure, j'avais plein d'objets possibles. Là, j'en ai plus, quoi. Oh, je sais. Avec la pub. Non! Et oui, avec la pub, avec la loot box elle-même, il faut que j'interagisse. Ok, ok. On va forcer la chance. Allez, mène-toi! Ah merde! Attendez, c'est quoi le souci? Pourquoi ça... Ah, faut que je fasse en sorte de l'arrêter sur le bon truc. Mais tout à l'heure, ça va pas marcher, si. On fera ça. J'ai gagné 1 million! On est riches, utilisateurs! On va pouvoir tout dépenser dans ce free-to-play! Tiens. Déverrouillé! Je crois que j'ai récupéré cette pièce. L'accès du donjon est enfin ouvert! Bravo, Hero, vous êtes surpuissant. GG, merci! J'ai trouvé 1 million! Temple dimensionnel, contenu premium. Tiens. La clé du gros boss est là. Parfait.
On peut pas l'atteindre. Comme par hasard. Pourquoi ils l'ont mis là-haut? Oh putain. Non, il fait trop sombre. Ah, donc l'interrupteur, livré en kit. Hé, hey, interrupteur, je vois rien. Je pense que vous n'allez pas tarder à le voir, héros. Le temps de faire chauffer la carte bancaire. Seriously? Des céréales crunchy. Donc 1, 2, 3, 4. Ok. Donc ça d'abord. Ok. Et faut que je remette le soleil. Bravo user, merci. 2, 4, 1, 3. Ah, il y va dans le bon sens? Non, c'est pas dans le bon sens, ça. Non, mais tu fais n'importe quoi, mec. Ah si, non, c'est ça. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça, d'accord. Il a fait dans le bon ordre. Oh putain, j'ai le truc crunchy, super, quoi. Fantastique, des céréales crunchy. J'avais justement un petit creux. Ah oui. Pourquoi cette colonne est tombée? Peu importe. Oh, j'ai passé de moule là. Est-ce que je peux pas la déplacer du coup? Pour monter dessus. Sponsorisé par les crunchy céréales. Bon! Comment je me repère là par contre? Je peux pas me repérer là? Il y a des cases vides, ce qui pourrait techniquement m'aider, mais ça m'aide pas beaucoup. Ah, faut que je sache quel chiffre sera dans ces cases vides, c'est ça? Mais le remplacement ne m'aide pas. C'est ça le souci. Là c'est 3, là c'est 4, là c'est 1, là c'est 2. 1, 2... 3 et 4. Mais l'emplacement, en fait, oui d'accord, mais ça m'aide pas. Moi c'est ça, oui. 1. Oui c'est bien ça, là c'est 1, là c'est 2. Là c'est 3, là c'est 4. Ouais. Mais ça m'aide pas quand même. Que le remplacement ne m'aide pas du tout, faut que je voie à l'envers peut-être. Sponsorisé par les céréales crunchy, ça va pas m'aider cette merde. Ah ouais, les grandes cases plutôt, ouais. C'est pas con, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Ok. J'avoue. Alors là, c'est 1. Oui, 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 non, mais j'ai compris, Grésion, j'ai compris. Spoil pas tout, spoil pas tout. J'ai compris.
C'est bien ça, hein. Un, deux, trois, quatre. Ok. Ok. Ah merde! Il fait selon l'ordre où j'ai fait apparaître. Ah non, bah non, bah non, bah non, c'est ma faute. C'est vrai, j'étais plus sûre. Your mistakes are expensive, user. But well, after all, if you like to click. Non, ça me gonfle de cliquer. Voilà. Voilà, c'est bon. Et oui, bah oui, j'ai fait dans le mauvais ordre. Enfin, de la lumière. Ok, une scène d'apparaît en premier. Ensuite, celle-ci. Ah, puis celle-là. Et la dernière scène-là. J'en ai marre, c'est crunchy crunch là. Si on continue à manger autant de céréales, vous aurez des soucis. Ah oui, mais c'est pour faire tomber la barre, je viens juste de comprendre. J'ai mis du temps, j'avoue. F by Lock, c'est la meilleure de la VF. Merci. Merci. Entièrement illustré. 9,99$ seulement, guide officiel. Ah. Ah là, il y a un chemin. Attends. 1 plus 3 égale dollar. Ah non. Ah oui, bah là, on a toutes les indices. Secret fois 5 clics. Ah ouais. Ok. Il me semble que j'ai vu ça. On va voir, mais il me semble que j'ai vu ça. Je prends des moulas au cas où. Il s'est récré un petit crash. Yes! Non, la clé vient de tomber sur le sol! Et vite la récupérer! On est dead, Dark Lord! Vous avez vu ça, utilisateur? On a du bol, cette fois. Ah, mais on a. Ah, ici, on a une épée, et oui, on a une épée. J'ai perdu ma moula encore. Non, j'en ai trop d'ombre. La clé n'émet plus de lumière. Pour m'en baisser les coûts. Déstockage des invendus. Ebuy.com. Attendez, je vous montre. Voilà. J'ai essayé de bouger ma cam, ça a bougé l'écran. On peut avancer plus en lumière. Offert. Je peux pas ouvrir la porte. Une sorte de longue barre transversale bloque le passage. Vous parlez de votre barre d'énergie? On l'a peut-être un peu trop augmentée. Il va sûrement y avoir un mécanisme quelque part. Mécanisme.
Ah, il me suit plus. Ah zut. Je me suis dit que j'emmènerai l'interrupteur. Ah si, voilà. Super. David Koudenov. Merci. Oh, je vais devoir acheter des trucs. Ah, je vais prendre ça pour casser la barre, peut-être. Bon. Bah, on va... Hein. Allez, viens. Il me suit plus. Bon. Ah, il y a une clé dedans. Oui, d'accord, je débloque des trucs, mais ça m'aide pas. Salut, petit J. Salut, salut. Je voudrais prendre ça pour casser la barre, mais je peux pas. Je vais prendre le soleil. Allez, viens, je t'éclaire le chemin. Ah, il veut vraiment plus. Ah, mais non, je peux les acheter. Voilà. Faut que j'achète la plume pour faire tomber, pour lui faire, voilà. Et comme ça, il va me donner la clé. Voilà. Oh, il l'a reprise. Zut. Je veux pas déplacer le coffre, ça m'emmerde. Oh, je peux la choper au vol. Si je peux. J'ai eu. Un souvenir d'une ancienne version. Est toujours bugué, ce que je vois. Ah, c'est un tout petit. C'est un tout petit truc. Je vais réduire ma barre. Voilà. Voilà. Hero, the path is clear. Salut, silence. Ne sommes-nous pas trop forts? J'ai pas, je vais jouer trapiste. C'est du sponsoring. Vous soyez mon pion. Actuellement en promotion pour 19,99$. Et qui est venu sauver la princesse, dit Dark Lord? Et qui me parle? J'y vois rien avec cette barre devant les yeux. Ah là, Seigneur. Où en étais-je? Tu sembles oublier ce droit combattant a besoin pour un duel à mort. Oui, également des vitamines B1, B2, B5, naturellement présentes dans les céréales Crunchy Crunch. Les céréales croustillantes et... Ouais, c'est pas bientôt fini avec ces placements de produits. Tu as raison, Gaïa. Trêve de blabla, viens te battre. Oh, 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 prépare-toi pour un long... je sais pas quoi. Dark Lord, hein. Oh, le gars lui est retombé dessus, le gars qui... Oh là là. Easy. 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 You mean the wait. Ah, on passe à la suite. Princesse, vous voilà libre. Merci, courageux sauveur. Je sens déjà ce créant. Ouais, on connaît la chanson, bon sang. Dépêchez-vous, bon sang. Ça y est, la sortie est de nouveau là. Nous allons enfin pouvoir partir. Merci, brave héros, pour votre aide. Je fais un honneur, Gaïa. Je vous souhaite à tous les deux une vie heureuse et plein de petits sprites. Allons-y, utilisateurs, ne s'en donnons pas. Au revoir, les héros. C'était trop bien.
Extension requise. C'est pas vrai. Même la sortie du jeu est payante. J'ai comme l'impression qu'il n'y a plus d'accès en stock. Oh, tu as bien joué, monsieur Glitch, bien joué. Voilà définitivement coincé ici. Il y a peut-être une clé dans les coffres légendaires. Une map. C'est la carte de la région. Génial, la carte du jeu. Ils attendent donc qu'on termine l'aventure pour nous filer la carte du jeu. C'est un truc que j'ai à faire. Une carte vierge de surcroît. Vierge est gratuite. Une clé pour réparer ce dernier DLC. Ça va nous permettre de fouiller la région de fond en comble. Oh sérieux ? Fouiller la région. Oh putain. Bon, moi je fouille seul. Ce qui rend ça un peu plus rapide, hein. Ici, il y avait un truc, si je cliquais que 5 fois. Oh bah super, le secret, quoi. Trop pourri. Oh non, je veux plus ces zones. Mais complete. The map is complete. We've been... Non, visitez tous les dieux et aucune telle horizon. Voilà, croisé pour l'éternité dans un free-to-play. Un free-to-play. Vous ne pouvez pas imaginer pire scénario pour la fin de mon existence. Même être coincé dans Ship Simulator est un paradis à côté. Il va y avoir un nouveau God Simulator, voilà, je vous le dis. Vraiment désolé, utilisateur. Pas descendre, là, il y a un chemin. De cette carte est étrange. Je suis d'accord. Y'a pas un passage secret quelque part là? La bombe, on l'a pas utilisée. On va l'utiliser. Ah, oh, mais elle y est plus. Elle y est plus la bebon. La forme d'une clé, en fait, j'ai rien dit. J'ai rien dit. It's okay. Déverrouillé. Comment c'est tu mozo, je l'avais acheté et je le mérite pas. Merci. Vous avez trouvé une clé? Oh, peu importe. Mes amis, nous partons de nouveau. J'espère que cette fois, tu vas enfin pouvoir rentrer chez toi, Gaïa. Je suis sûr à 100% que cette sortie est enfin la bonne. Merci encore pour tout. Adieu tout le monde! On s'en va vraiment. On a tenté tellement de fois de partir, là. C'était trop.